je voudrais d'abord saluer toutes les personnes présentes ici. D'abord, Monsieur le Président, merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Monsieur le directeur du musée, Monsieur le directeur de la tenue de l'École des Beaux-Arts de Tétouan, toute l'équipe qui est venue avec nous, Madame Chevalier Colachot, qui est la directrice de l'Institut français. Maroc, son adjoint, le consul. Alors, je suis très heureuse d'être ici pour inaugurer cette exposition. Exposition formidable, avec des photographies de la réalité augmentée. Une collaboration entre des étudiants de l'Institut des Beaux-Arts, l'Institut français, le Musée des Beaux-Arts. Je suis très contente qu'elle ait lieu à Tétouan, parce que Tétouan, c'est une ville de culture et de patrimoine. Et je suis très heureuse d'être ici pour cette occasion et de reprendre un petit peu une activité culturelle dans cette période de pandémie. Ça nous fait du bien de voir des belles choses. Alors je dis bravo à cette belle collaboration entre toutes ces institutions publiques et privées, françaises et marocaines. J'invite vraiment le public de Tétouan à venir voir l'exposition. Nous sommes heureux aujourd'hui d'ouvrir ce معرض تفاعلي. معرض الذي يقدم التراث المادي والغير مادي المغربي للسياح والجميع للتعريف بهذا الزخم من التراث الإنساني. هذا يقدم بتقنيات رقمية جديدة ما يسمى بالرياليتي أوغمونتي أو الحقيقة الواقع المفترض الذي يتم به من خلاله تحريف مجموعة من الصور التي تحكي للتراث المغربي بطريقة عصرية أو نقول جديدة. فهو تحريك للصورة وتحريك للصوت واللي من خلاله يقدم هذا المشروع اللي هو الأول من نوعه على الصعيد الوطني واللي في الحقيقة مكننا أولا نكون واحد مجموعة ديال الطلبة بمعهد وطني لفنون جميلة في التقنيات فهو ممكن نقوم الأوائل الذين يضبطون هذه التقنية. هذا جاء في إطار تعاون مع المعهد الفرنسي بالمغرب واللي يعني فضلوا جاوا واحد مجموعة ديال الخبراء عملوا تكوين للطلبة بمعية الأساتذة ديال المعهد وانتجوا هذا المشروع هذا مشروع ديال الإبداع ديال التجديد في مجال الفنون الرقمية. Je suis ravie d'ouvrir aujourd'hui à Tétouan une exposition, une coproduction de l'Institut français du Maroc et de l'Institut national des beaux-arts Tétouan, réalisée avec les étudiants de l'Institut national des beaux-arts Tétouan. Une exposition de photographie qui montre toute la richesse du patrimoine marocain, qu'il soit matériel ou immatériel, tout cela animé en réalité augmentée par les étudiants de l'INBA, ce qui donne à tout ce patrimoine une touche beaucoup plus, très attractive pour l'ensemble du public. J'espère que ça va pouvoir voyager au sein du royaume pour présenter ces techniques modernes et présenter ainsi le patrimoine marocain. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.